Eh ben bonjour, ça y est, on est un peu libéré. On retrouve un peu d'ouverture de magasin, d'échange, de vie. On a besoin. Soyons quand même modérés, mais une envie d'être un peu dehors fera du bien pour tout le monde. Alors, pour cette séance, je vous propose toujours en temps 35 minutes. Vous prévoyez tapis, coussins, plusieurs coussins, une petite brique si vous avez du mal à être les mains au sol, un coussin et éventuellement, si pour le poisson, on va faire à la fin le poisson, si vous avez un oreiller ou un traversin pour mettre sous le dos, prévoyez, puis un petit pull pour la décontraction. Alors, nous arrivons dans l'énergie de l'été. Bon, j'ose pas dire, le soleil, le printemps, on l'a pas trop vu, l'été, ma foi, on verra. Donc, je vous propose pas de faire la salutation au soleil, le soleil a décidé de nous faire un peu la tête, on va le laisser faire. Il y a des choses qui nous échappent, comme beaucoup de choses, hein. Donc, on va commencer par des massages, on va bien masser les méridiens. La période, donc, de l'énergie d'été, c'est du 15 mai au 27 juillet. C'est le feu. Le feu, c'est le haut du corps, le cœur. Le cœur, donc tout le haut, la ceinture scapulaire. On va travailler déjà le haut de la cage thoracique. La prochaine fois, on travaillera un peu plus la thyroïde. Et puis, vous avez également l'intestin grêle dans cette séance-là. On a envie de vivre dehors, de choses différentes au niveau goût. On échangera au fur et à mesure. Donc, on va faire des massages méridiens. L'organe également... et la langue, on fera un petit mouvement, on aura le droit de tirer la langue. Et à la fin, on fera un poisson. Matia permet de bien ouvrir le cœur. Donc le poisson, on fera le petit poisson, hein, veut dire pas la tête à l'arrière, mais ouvrir. Donc ouvrir son cœur, qui est aussi le maître gouverneur. Il y a les émotions, mais il gouverne tout le corps. Donc je vous propose de commencer debout. On va faire des massages et après, des étirements de dos, le chat, le chien. Milieu du tapis, à peu près. Prévoyez l'aisance, une bonne largeur de bassin. Posez bien votre bassin. On va commencer par chauffer les mains. Donc déjà, les deux paumes l'une contre l'autre. Le poids pour, on a toujours besoin. Hein. Et puis bien masser le visage, parce que le masque, on n'est pas prêt de lâcher. Donc vous massez bien les deux paumes, les doigts jusqu'au bout. Et quand la chaleur commence à diffuser sur le bout des doigts, vous allez emmener la base de vos deux majeurs juste dessous votre menton, ce qui fait que j'étire ma nuque. J'emmène mon menton en direction de la gorge et surtout, je laisse tomber mes épaules de gauche à droite. Laissez descendre le souffle. Laissez vos genoux se détendre, les plier un peu et le bout des fesses en direction des talons. Lâchez bien. Un temps de pause, juste là, chez vous. Vos deux appuis, pied gauche, pied droit, bien enraciné, et un haut qui se détend. Et on va inspirer, emmener la base de vos deux majeurs dans la petite pomme d'Adam. L'entre-deux lèvres, l'arête du nez, mais prenez le temps. Et là, milieu du front, à genoux, vous allez poser vos doigts. Les quatre doigts, laissez le pouce glisser sur le côté. Là, et rejoignez tranquille. Laissez les paumes se rejoindre, les doigts. Descendez vos épaules. Et lâchez. Pensez genoux pliés. Bout des fesses derrière. Hein? N'allez pas étirer vos reins. Voilà. Et on va reprendre deux fois. Je un tout petit inspire qui arrive naturellement. Milieu du front. J'expire, laissez glisser vos doigts le long des tempes, à la base des oreilles. Les paumes se rejoignent, les doigts lâchés. Et on reprend, j'inspire. Naturel, ne forcez pas le souffle, soyez juste dans le contact peau à peau, détendez votre visage. Laissez expirer. Prenez soin de détendre vos épaules comme si elles descendaient de gauche à droite du sol, genoux, bout des fesses.
Et on va reprendre maintenant cuir chevelu, inspirez. Doigt à la base du cuir chevelu. Et on va faire un joli brushing à droite, à gauche. Et puis massez l'arrière du cou, mais bien haut avec les mains. Massez bien la base. Juste une ligne entre vos oreilles, là, cet espace-là. D'abord, bien haut. Prenez le temps. Et quand vous sentez que ça commence à bien chauffer, laissez une main, puis l'autre. Quand l'épaule gauche est au-dessus, je descends. Alternez le mouvement. Tête de moulin, vous savez, mais cette fois avec les coudes. Massez bien, lâchez surtout pas vos mains de votre cou. Laissez la chaleur s'installer, vous sentez ça détend. Laissez vos épaules descendre quand le coude descend. Allez doucement. Ça, ces petits mouvements, vous pouvez les faire tranquillement le matin. Entre deux, là, quand vous êtes toujours en télétravail, assis, le soir, tranquille. Et quand vous sentez que ça chauffe bien, que vous êtes détendu, si vous n'avez pas mal au cou, laissez remonter le coude et là, tournez un peu la tête. Laissez redescendre, j'inspire. Et c'est quand j'expire que je tourne la tête. Coude au-dessus, tête opposée. Revenez tranquille. Encore une, deux fois. Laissez faire. Si vous sentez que vous êtes un peu raide, que c'est pas, le cou n'est pas prêt, ben vous restez que dans l'axe. Hein. Écoutez bien votre corps, votre ressenti. Et on va revenir dans l'axe, masser devant le thymus, juste là pour bien chauffer le haut du corps. Et puis, là bien haut, hein, vous croisez. C'est celui-là qui protège contre l'immunité. Alors allez-y, frottez bien. Voilà, et on va revenir au visage. Là, on va masser l'arcade, toute l'arcade sourcilière. Vous allez pincer depuis le centre, là, et puis juste au-dessus du nez, pincer. Alors ça peut être douloureux. On va déjà détendre, pincer bien. Revenez, vous allez à l'extérieur, vous revenez dans votre mouvement. Essayez de le faire trois fois. Et puis quand vous serez là, juste au centre, essayez de repérer un tout petit peu plus loin, à peu près à 1 cm, vous avez une petite fente là, petit creux. Posez vos doigts et faites une petite pression. Ça va détendre les sinus avec le masque. Pas évident, faut parler. Respirez. Alors, posez un peu la base de vos pouces. Petite compression. Ça peut être plus épais que d'un côté que l'autre. Les sinus, on a toujours une narine qui fonctionne mieux, moins bien que l'autre. Alors, bougez un peu vos doigts. Pensez à bien détendre vos genoux, hein, bout des fesses, ça ne doit pas être douloureux. Si vous n'aimez pas être debout, prenez le temps, asseyez-vous, hein, profitez de la maison. Et puis là, on va emmener, soulever ses doigts, les pouces, et aller tout le long de l'arcade. Là. Là. Et maintenant, c'est avec les deux doigts qu'on va masser la patte doigt, gauche à droite, un rond, détend. Les yeux, en 18 biches, un, et 3 dans l'autre. Toute cette phase ORL, on en a besoin. Vous continuez le contour des orbites, et on va s'arrêter avec l'index sur les narines. Dégagez le nez. Si vous avez un jour un nez plein, l'allergie, là, avec l'eau qu'il y a, et massez bien les narines au-dessus, dans un sens, dans l'autre, dégagez. Voilà. Et maintenant, on va faire le méridien d'estomac. La main de l'index du dessus, l'autre du dessous, et on glisse. Détendez bien vos épaules,
au-dessus, dessous, on fait scission du bois, vous vous rappelez? Voilà. Et puis la main du dessus passera dessous, on alterne. Encore une fois. Voilà. Et on va emmener le V. On va faire un V de chaque côté des oreilles pour masser. Massez bien. Comme l'organe que je vous disais, l'espace du feu, là, cette énergie du feu, c'est la langue. Et la langue insérée dans toute la mâchoire, on masse l'oreille et aussi la base des mâchoires. Voilà. On va continuer le mouvement encore une fois sur le thymus pour bien chauffer. Les basses côtes. Ça, c'est des tout petits mouvements. On fait souvent les mêmes. Vous pouvez le faire tranquille. Et chauffer l'arrière du dos. On ne peut pas dire qu'on a des chaleurs ou on passe. Je sais bien que chez nous, on passe de l'anorak au short, mais quand même. Massez bien derrière. Montez, descendez. Et on va longer. Vous allez longer l'extérieur de vos cuisses. Pliez un peu les genoux toujours. Les mollets. Extérieur. Voilà, l'extérieur des pieds est passé à l'intérieur. Comme si vous dessiniez le contour. Montez le mollet, tranquille, intérieur des cuisses, et on va lâcher d'un coup. Voilà, lâchez, détendez bien. Un petit massage des épaules pour bien délier le haut, ceinture scapulaire, pour ouvrir ce cœur. Donc, on monte les deux épaules aux oreilles. On va les emmener à l'arrière, donc. Partez déjà de vos deux coudes à l'arrière pour que la base des épaules soit vers la taille et laissez redescendre. Voilà. On remonte aux oreilles et on va passer à l'avant. Les deux à l'avant et laissez pareil descendre. Je remonte dans le sens inverse. Hein, montez, revenez au centre. Et cette fois, on va essayer d'associer le bassin. Repositionnez vos épaules. Je monte aux oreilles. Je plie mes genoux au bout des fesses derrière. Remontez. Expirez. Vraiment, les épaules guident le mouvement. Hein, comme si elles se désarticulaient. Elles montent les deux en même temps. Vous avez le cou qui est rentré. Arrondissez, arrondissez le haut du dos, montez, 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 vous tendez vos jambes, emmenez à l'arrière, vous pliez les genoux. Je reprends, je monte, je tends mes jambes. Quand je suis en bas, je plie les genoux. Je reprends, j'inspire, jambes tendues, épaules, tout là-haut, là-haut, là-haut. Descendez à l'arrière, je plie mes genoux. Je reprends. J'inspire au-dessus, montez vos épaules. Attention, les épaules vont aux oreilles, hein, c'est pas vous qui montez. Oreilles, c'est les épaules qui font tout. Hein, et lâchez devant. Et remontez en poupée de chiffre. Voilà, réveillez en douceur les épaules. Lâchez, faites des je m'en fous. Voilà. Ouais. Et on va faire un bon petit mouvement de plexus solaire pour dégager cette fois la cage thoracique. Devant, on emmène ses paumes au ciel. Alors, toujours oreille en direction du creux du coude, les paumes en haut. Si j'ai mal, hein, je fais devant. Hein. N'allez pas bien haut. Hein. Et on va lâcher sur l'extérieur. Et on va associer le son. On monte devant. Paume au ciel. Le son OM. OM. Laissez le son sortir. Je vous les laisse faire à votre rythme. Allez le haut. Je vous entends. Je vous entends. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Laissez descendre. Le souffle. On va en faire encore deux. Montez.
finissez. Le son vous appartient. Laissez descendre jusqu'au fond. Encore un. Et lâchez. Laissez le son descendre jusqu'en bas, épaules, détendez bien. Un temps de pause, laissez vos doigts se détendre, direction du sol. Avalez votre salive. Et là, on va faire un petit travail de la langue. Je vous disais que l'organe du feu, c'est la langue. Vous avez le droit de tirer la langue. Hein. Mais on va plutôt l'arrondir autour de la mâchoire. Les mâchoires sont rapprochées, pas serrées, et la langue, elle va passer 6 fois dans un sens, 6 fois de l'autre. Vous arrêtez au centre, et on va reprendre de l'autre côté. Et là, vous allez avoir de la salive au fond de la gorge avalée. Ça nourrit le rein. Alors, il me tarde de reprendre les cours parce que je verrai votre tête bouillée que la mienne. Mais on aura le temps d'échanger. Là, lâchez bien, détendez. On va étirer. Cette fois, une inclinaison latérale. C'est pour étirer les côtes. On a toujours besoin d'étirer cet espace pour mieux respirer. Hein. On a besoin, déjà au niveau des émotions, et puis le fait d'être toujours sous le masque, la cage thoracique a besoin d'être libérée. Donc on va commencer, changez rien de votre position, vérifiez bien si vos pieds sont bien à plat, la main sur la couture du pantalon là, hein. Alors tout sera en ligne, la main, la taille, l'épaule et l'oreille. Pour ça j'inspire déjà pour soulever la côte, parce que je ne veux pas la pincer, celle de droite. Hein. Et doucement je vais glisser ma main pour me pencher sur la droite, le poids du corps va être bien plus important sous mon pied droit. Alors, je fais attention de ne pas avoir le buste devant ni à l'arrière. Mon bassin ne bouge pas. Je glisse. Glissez. Laissez-vous descendre. Attention, je ne pince pas. Je laisse bien ma côte à droite soulevée. Quand j'inspire, je remonte. Je ramène mes épaules dans l'axe. Même chose. À gauche, ouvrez bien vos côtes. Poumon plein, j'expire, je descends à gauche, je glisse, je vérifie mon buste, laissez glisser, épaules, mains, hanches, oreilles. Poids du corps sous le pied droit. Pour remonter, je vais inspirer, repousser sous votre pied gauche. Laissez-vous glisser, je glisse, remonte. Prenez le temps. Je reprends une inspire au centre. Alors, prenez pas trop, n'allez pas suffoquer, mais simplement vous sentez vos côtes qui se soulèvent. Et glissez à droite. C'est une inclinaison latérale. Glissez bien. Repoussez sous votre pied droit. Et si tout va bien pour vous au niveau des épaules, on va emmener, glisser d'abord le côté gauche. La main droite, elle va s'ouvrir sur le côté. Prenez le temps, hein, sur le côté. Et on va faire un beau petit cercle autour de sa tête. Un demi-cercle, une demi-lune. Creux de votre coude en direction de votre oreille. Et laissez glisser. Vous sentez l'étirement est plus important. Si là, vous n'êtes pas bien, vous avez mal aux épaules, ce n'est pas la peine d'aller trop loin. Vous restez là. Ou vous gardez le premier degré. Hein. Main, je l'ouvre, paume au ciel. Et glissez le côté. Voilà. Pensez à ne pas pincer à gauche. Étirez le buste et tirez à droite. Et là, on va poser la respiration. J'inspire dans ma côte à droite. J'expire dans le bout de mes doigts à droite. Inspirez, soulevez la côte qui est là, sur le côté gauche. Expirez dans tout le côté droit. Lâchez bien. Sentez l'étirement, vérifiez votre buste. Restez une ou deux respirations si vous avez besoin. Mais quel qu'il en soit, quand je quitte, je repousse sous mon pied gauche
poussez le sol sous votre pied gauche, remontez tout doucement le buste, emmenez la paume de votre main au ciel et redescendez par le même chemin. Ouais, on sent qu'on étire, avoir une taille fine. Et lâchez. Même chose à droite. Je reprends bien mon axe des deux côtés, j'inspire. Main droite. Laissez d'abord glisser. Pensez bien à la tête, épaule. Je glisse. Une fois que je suis bien installée, j'ouvre mon côté gauche. Emmenez. Bel arc-en-ciel. Et là, étirez. Pensez bien l'ouvrir là. Étirez bien. Oreille, toujours. Le petit coude dans la même ligne. Épaule. Et une fois que vous sentez que vous êtes bien installé, et bien respirez. Quand vous inspirez bien dans cette côte, là, côté droit, pour la soulever, ne pas la pincer. Et expirez côte gauche, coude droit. Et si vous avez les cervicales qui vont bien ce matin, vous pouvez commencer à regarder le creux de votre coude. Sinon, revenez tranquille. Vérifiez la position. Inspirez. Expirez. Je pousse sous mon pied droit, je ramène ma tête, je remonte mon épaule. Et je redescends mon bras. Oui, vous devez sentir qu'on a bien étiré le haut du corps, la ceinture scapulaire. Donc, on va faire 2-3, je m'en fous. Voilà. Et on va étirer, comme d'habitude, hein, les mains de chaque côté de l'extérieur des cuisses. Pointez votre fourchette déjà, descendez vos épaules, dégagez le cou, la Michel-Ange. Je repousse sous mes deux pieds, j'inspire jusqu'au-dessus du petit bindou. Et quand j'expire, je plante d'abord mes deux majeurs et tout le bout des doigts au sol. Allez, plantez, 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 plantez. Dégagez vos bras, votre cou. Les bras, on a besoin de les travailler. Je ne sais pas si vous êtes fait vacciner, mais les bras, ils sont douloureux. Hein. Alors allez-y, expire, 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 expire. Et lâchez. D'ailleurs, si vous avez mal, forcez pas. Hein. Détendez bien. Secouez. Voilà, et maintenant je vais vous proposer de travailler le dos, on va faire Prasarita, vous vous rappelez. Je vais me mettre de côté comme ça vous me verrez mieux. Hein. Vous prenez une bonne largeur de jambe, hein. Bonne largeur, hein, parce que je trouve que les gens, c'est une longueur de jambe entre l'espace des deux pieds. Jusqu'à maintenant, je trouve que les gens ont des petites jambes, hein. Bonne longueur, prenez le temps. Les mains sont installées là, petite laine. Pour bout des fesses que je pousse une porte avec mon postérieur. Waouh! Je n'ai jamais essayé, vous connaissez. Hein. Mettez bien vos pieds parallèles, les mains sur le haut de vos cuisses et un dos plat. Donc, bout des fesses en direction du mur derrière. Et là, au lieu d'avoir le ventre qui va en direction du tapis, rentrez un peu votre nombril et aérez vos lombaires. Les disques s'aèrent, s'ouvrent côté gauche, côté droit, du bout des fesses jusqu'à la taille déjà. Maintenant, vous allez glisser vos mains juste au-dessus des genoux. Si j'ai mal au dos, je plie mes genoux. Hein? Respectez-vous. Si tout va bien, pour travailler l'extérieur de vos jambes, les ischio-jambiers, tendez. Et là, cette fois, je vais travailler mon espace entre la taille et mes épaules, entre mes deux épaules là. Alors, j'ouvre côté gauche, côté droit, mes deux épaules. J'évite d'arrondir ou de creuser. Un dos plat. Aérez bien, rentrez le nombril, la taille. Visualisez votre dos. Laissez maintenant vos mains mi-mollet. Si c'est possible, je tends mes jambes, je tends mes bras. Si j'ai mal, je plie tout. Et là, j'aligne ma tête. Parce que j'ai tendance à soit baisser du bas. Ou trop remonter mon cou, c'est ni le concorde, c'est un dos plat, plat, bien plat. Visualisez, est-ce qu'un plateau tiendrait sur mon dos? Est-ce qu'il y a des creux? Est-ce que tout va bien? Tendez bien. Dos plat, épaules en ligne.
Et là, vous allez poser vos deux poings au sol. Un point, puis l'autre. Et c'est là que je vous proposais la brique. Si ça tire trop, vous mettez une brique. Elle a les deux poings ou les deux mains en fonction de vos épaules hein, et de la souplesse de vos doigts. Moi, je propose les poings, mais si vous voulez vous mettre les doigts comme ça, faites comme vous pouvez. Si tout va bien, vous mettez les mains ou les poings. Essayez de dire bonjour à vos petites bases de poignets, l'une contre l'autre. Et pour bien positionner vos bras, visualisez si le bout de votre nez se retrouve juste en contact, en ligne, avec vos deux poignets, qui sont eux en contact, pour que votre nuque soit au bon endroit, bout des fesses, dos plat. Je vais repousser sous mon poing droit, plier le coude gauche, allez doucement, et emmenez votre main bout des fesses. J'ouvre. Et puis ramenez votre poing à côté de l'autre. Voilà. Et là, je repousse poing gauche. J'ouvre en pliant d'abord mon coude. Main droite sur le bout de mes fesses. J'expire à droite. Attention, la hanche gauche, quand je tourne à droite, a tendance à revenir à l'intérieur. Positionnez bien votre dos. Je regarde juste le mur à droite. Je reviens au centre. Je réajuste mes poings. Si ça commence à se détendre puis que je peux allonger mes mains, je les allonge. À vous de sentir. Je repousse ma main droite et cette fois, si je peux, je déploie ma main. Et là, je l'emmène au ciel. Et j'essaie de vérifier si mes deux mains, mes deux bras, sont en ligne. Et je regarde. Si j'ai mal, je laisse ma tête là. Et si j'ai mal partout, je reste là. Attention. Là, ma hanche, elle a tendance à tourner la droite. Vérifiez. Bout des fesses. Et là, je fais une respiration. Ou deux. J'ouvre mon cœur. Je ramène ma main au bout de deux, trois respirations. Main gauche vers ma poitrine et je repose ma main au sol. Ramenez bien votre bassin au centre, repoussez main gauche sur le tapis, pliez votre coude et j'étire, déployez votre bras en deux temps. J'expire. Essayez de vérifier, est-ce que mon bras est trop à l'arrière? Est-ce que je suis en ligne? Est-ce que je peux regarder ma main? Un bon étirement du dos. On a commencé par Prasarita, là c'est Utthita Trikonasana. Étirez bien. Je respire, j'inspire, main gauche en appui, et j'expire celle qui est au ciel. Faites une ou deux respirations, pensez à votre bassin. Quand vous revenez, ramenez en douceur la main du haut se replier, le buste de face, et les mains l'une contre l'autre, poignet, lâchez bien. Et puis on va faire des petits pas chassés, tranquille, pour ramener un genou au sol, puis l'autre. Et là, on va détendre d'abord les deux avant-bras au sol. Hein. Un bon écart, les paumes au ciel. Un bon écart pareil des genoux. Allongez les coups de pied si vous pouvez. On va lâcher la tête. Parce que cet étirement du haut du corps, on étire les épaules, la ceinture scapulaire, on ramène de l'énergie sur le haut. Mais il faut détendre la nuque. Alors laissez-la toute ballante, lâchez la langue, lâchez, laissez tout le poids de votre crâne aller tout au fond du front. Allez, lâchez tout, lâchez, mâchoire, la langue. Laissez faire, diffuser. C'est bien de ramener le sang sur le crâne. Laissez faire. Et puis tout doucement, en inspirant, vous allez ramener, remonter le haut du corps. On va faire le chat, le chien pour bien masser le dos. Alors, toujours un bon écart des mains. Hein. Plus large que les épaules et un peu plus loin que la ligne des épaules. Posez bien vos mains. Un bon genou, bien écart.
Et là, je vais commencer par creuser mes lombaires. Le nombril est en direction du tapis. Je lâche tout, je suis poumon vide. Je vais laisser une petite inspire arriver. Je monte tranquille d'inspire. Comme si le souffle longeait le long des bras, sous le cou. Montez pas trop la tête. Hein. Un petit regard en hauteur. Et là, poumon plein, je vais serrer mes fessiers. Le bas-ventre, le nombril, rentrez, faites un joli dos rond, rentrez, et naturellement la tête va passer la barrière des bras, le bout du nez, le regard en direction du nombril, poussez sur la base de vos mains, expirez. Et attention, le bout des fesses est derrière et la voix hauteur, expirez bien. Pour mon village, c'est le nombril en direction du tapis, lâchez tout, une jolie cuvette avec mon dos. Je reprends une petite inspire devant, regarde devant, poumon plein, je sais, fessier, bas-ventre, nombril, allez, le nombril colle à la peau du dos, poussez avec vos mains, allez, expirez, bout du nez en direction du nombril, poussez sur vos mains, attention, bout des fesses, à la fois tout là-bas derrière et au ciel, et lâchez. Je vais vous laisser le faire, le dernier, tranquille, à votre rythme. Et quand vous avez terminé, finissez à votre rythme, posez le front au sol. Et là, on se détend en feuilletillé. Si on peut, hein, on rapproche un tout petit peu ses genoux. Et on détend les bras le long des tibias, front au sol. Si j'ai mal, je reprends la position de tout à l'heure. Le cou, le front en direction des coudes. Je lâche ma tête et je reste dans cette posture. Respectez-vous, sentez ce qui vous convient. Lâchez bien. Et respirez dans votre dos. Inspirez depuis le bout de la colonne jusqu'à la taille. Le chemin qu'on a fait tout à l'heure en Prasarita, vous allez faire avec le souffle. Et de la taille jusqu'à l'espace des omoplates, laissez glisser gauche et droite dans les mains. Lâchez la mâchoire. Mettez le bout de votre langue à la base des incisifs et laissez diffuser dans l'arrière de la colonne. Un moment d'intériorité permet de bien se recentrer et puis on va emmener ses mains de gauche à droite des genoux, on va faire un massage de la ceinture abdominale, on va passer sur le ventre avant de faire le petit poisson. Alors, sur le ventre, vous avez l'habitude, on met les deux mains l'une sur l'autre, front sur la main du dessus. Mais attention, ne remontez pas vos coudes, laissez-les s'écarter. Vous allez lâcher vos pieds de gauche et droite, ouvrez vos hanches, les orteils se regardent. Vous sentez là que vos hanches sont déposées, bougez un peu vos fesses pour libérer tout l'abdomen, hein. Et on va inspirer, faire un gros ballon. Vous allez pousser votre nombril qui est en opposition sur le sol. Je mets ma tête, le menton pour que vous puissiez m'entendre. Hein, mais laissez bien le front sur vos mains. Vous inspirez, poussez sur votre nombril. Faites un gros ballon. Allez, l'air passe tout en bas vers le pubis, à gauche, à droite, jusqu'au-dessus. Allez, un gros ballon, gros ballon, gros ballon, gros ballon, gros ballon. Toujours l'image du ballon baudruche qui ne s'ouvre pas tout de suite. Et d'un coup, vous êtes surpris, tout est gonflé d'un coup. Une pause poumon plein. Et là, en expirant, vous allez laisser sortir l'air comme si le ballon fuyait de vos mains. Dans vos reins, bas-ventre, gauche et droite, au-dessus de la taille, lâchez. Belle envolée de ballon. On a besoin de liberté, d'images qui s'envolent au ciel de la lumière. Allez, reprenez. J'inspire un gros ballon. Allez, prenez le temps de laisser tous vos organes se libérer de gauche à droite.
Et expirez dans les reins. Et laissez faire. Sentez la détente de toute la ceinture abdominale. Et puis on va passer à plat dos, on va s'installer en petit poisson. Veut dire, là je me retourne. Hein. Quand on s'installe, vous vous rappelez, on est devant le tapis, Kleshpana, je descends, je pose un coup de pied l'autre, rapprochez vos talons et prenez le temps déjà de poser vos omoplates. Hein. Voilà, la nuque en dernier. Posez bien. Alors, je vais vous proposer de mettre vos mains dessous la boule du crâne. Ne les croisez pas, laissez-les juste un tout petit peu se rencontrer pour faire un joli petit panier pour la boule du crâne. Déposez à nuque l'ongle, le menton à la gorge et vos coudes sont toujours de gauche à droite de vos oreilles. Si vous avez mal, à ce moment-là, c'est là que je vous proposais de mettre un coussin. Alors, soit un traversin ou un oreiller, juste dessous votre thorax. Pour ça, vous allez d'abord soulever vos jambes et emmener votre coussin juste à l'espace, un peu en dessous de la taille, et qui s'arrête à l'espace des omoplates. Là, vous sentez votre thorax bien soulevé, monté. Vos épaules sont de gauche à droite, détendues. Voilà. Ça, c'est une solution pour faire le poisson. Si vous n'allez pas avoir un bassin trop ouvert, mal au genou, prenez le temps. Ça ouvre votre poitrine. Sentez. Et les bras sont le long du corps. Si pour vous, vous n'avez pas, le coussin est désagréable, on fait une posture toute simple, repoussez sous vos pieds, enlevez votre coussin. Vos deux pieds se rencontrent, vous avez l'habitude de celui-là, les hanches sont bien ouvertes, les mains dessous. Le joli petit panier. Installez bien vos deux hanches, le bout des doigts et la nuque. Et sentez l'ouverture du cœur. Le contact pour l'instant de vos deux paumes de pied, de la base de votre bout de colonne, le bout de vos doigts, vos épaules, l'ouverture de la ceinture scapulaire, hein, vos épaules, vos coudes. Lâchez la mâchoire, laissez la posture s'installer. Le petit poisson qui est tout libre, tout naïf, qui se laisse glisser dans l'eau, qui a besoin de faire confiance. Petit mouvement de liberté, de légèreté. Et peu importe la posture que vous avez choisie, laissez votre poitrine s'ouvrir. Alors bien sûr, c'est le centre des émotions, mais c'est aussi une intelligence du cœur, une ouverture de l'intuition. Alors le souffle, l'inspire arrive tranquillement dans la poitrine et laissez vos omoplates tout doucement se déposer. Détendez la mâchoire. Là, vous pouvez tout laisser glisser dans le cou, les oreilles, les tempes, le front, les coudes. Sentiment de liberté, de légèreté. Nagez tranquillement dans une eau claire, libre. On va inspirer à partir du contact des deux paumes de pied. Longez l'intérieur des deux hanches.
Expirez dans le bassin. Inspirez dans le contact des deux doigts qui sont dessous votre crâne, le long des deux bras, et expirez dans votre cœur. Inspirez les deux pieds, l'intérieur des deux hanches, expirez bassin. Inspirez contact des deux doigts, extérieur des deux bras, expirez cœur. Inspirez les deux pieds, l'intérieur des deux jambes, élongez jusqu'au bout des doigts. Expirez doigts, mains, bras, ventre, jusqu'au contact des pieds. Et puis n'intervenez plus, laissez l'ouverture s'installer tranquillement, à votre rythme. Et puis tout doucement, vous allez laisser glisser vos pieds, ils vont se séparer tout seuls. Laissez tomber pied gauche, pied droit, en ouverture, plus large que le bassin. Secouez un petit peu en essuie-glace si vous sentez que ça tire un peu. Même chose, soulevez la boule du crâne, déliez vos doigts, emmenez votre boule du crâne avec une nuque longue, lâchez vos mains. Détendez un peu vos épaules et lâchez tout. Laissez le sol vous accueillir. Cette fois, sentez le contact talon, mollet, bassin, l'arrière des bras, la boule du crâne. Et laissez tout le poids du corps, dessous, dedans, dessus, se déposer. Corps lourd, mais à la fois léger. Laissez le souffle là où il est, n'intervenez plus. Et mentalement, laissez-vous bercer par un tout petit vent léger, une petite vague. Et puis ramenez main gauche, main droite, les deux mains l'une sur l'autre, sentez ce contact peau à peau. Retrouvez votre souffle sous votre main gauche. Tout petit mouvement du nombril qui monte tranquille et qui redescend à son rythme. Revenez là chez vous. Dans la chaleur de votre corps. Et puis déliez vos mains, pliez un genou pour le monter bien haut à la poitrine, puis l'autre, on va conclure avec un gros ballon. Gonflez votre ventre et un gros câlin. Expirez. Gonflez bien votre ventre.
Vous sentez que les cuisses s'éloignent de votre bassin. Expirez front. Lâchez bien. Reposez votre tête. Et on va frotter vos mains. Frottez bien les mains. On inspire du gros ballon. Et on va lâcher l'envolée du ballon. Inspirez, inspirez. Expirez. Et voilà. Cette légèreté, cette ouverture du corps a un besoin et du cœur. J'espère que ça vous a convenu. Profitez bien d'un jeu soleil pour le rayon qu'on a de temps en temps. Et puis, si l'énergie du feu vous convient, on va refaire une séance un petit peu plus ouverte dans 15 jours. Et puis, on verra bien le cap qu'on maintient. Bon dimanche et belle journée à vous.